Dream is so mean, you're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I'll pack my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Must be talking. Don't you come back. I do not understand you. And don't you come back. Oh, baby, please. And don't you come back no more. Je crois que Monsieur Procureur n'a peut-être pas les épaules assez solides pour être procureur, si vous voyez ce que je veux oui, dire. Oui, 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 il n'a clairement pas... 03, pouvez-vous me faire sortir, s'il vous plaît, ces deux individus? Madame, non, non, non. Nous ne pouvons pas sortir parce que Monsieur Procureur... Il m'empêche de sortir. Peux-vous les faire sortir, s'il te plaît? Il vous empêche de sortir? Oui, absolument. Allez, messieurs, on sort de là. Non, on ne sort pas. Sortir un taser ici, c'est totalement illégal, mesdames. Vous avez le droit, bien évidemment, s'il refuse, de... Bah, voilà. Non, bah, super. Non, attendez, messieurs, j'ai un très gros... Non, attendez, parce que là, j'ai un très gros problème avec ce poste de police. À la con. Là, ça commence, Sterling, ça commence à me chauffer. Ça. Oui, oui, vas-y, vas-y. Bien, nous sommes avocats. Non, nous sommes auxiliaires de justice. Nous connaissons la loi. Vous n'avez pas le droit de faire tout ce que le procureur vous demande. Les procureurs, attention, parce que si vous faites tout ce qu'il dit, vous allez faire tout ce qu'on dit. De montrer un taser devant des avocats. Expliquez-le. Non, les agents pris en main, on vous a pas. Non, 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 on veut rien savoir. Quelle est cette vie? Depuis quand un procureur vous donne des ordres? Procureur. Bougez pas, j'appelle le président. J'appelle le président. Oh, ça va chier des bulles. Bon, bah écoutez, messieurs, passez par le président, parce que là je dois directement retourner au travail. Oui, ça va chier des bulles. Et croyez-moi que je suis pas content. Ben, si vous voulez pas suivre la loi, gare à vous. Bon, écoute, on ne peut rien faire. Sterling, allons au lit, ça m'a saoulé. Allez, passez à la non, non, on va discuter, on va discuter. Oui, venez, venez, venez. Non, mais mon petit Sterling, on peut rien faire. On peut rien faire, donc on va aller au lit. On va aller au lit, ça m'a saoulé. Moi, tu sais que quand ça me saoule, je suis saoulé. Comment allez-vous, monsieur? Ah, bah, moi, je fais de mon mieux pour aller bien. Bon, écoutez, comment vous dire? J'ai un très gros problème, monsieur. Le procureur ne connaît pas les règles, le procureur ne connaît pas les lois, et ce commissariat, c'est un état critique. Je vous conseille d'aller au lit, monsieur. Ah, oui, ça, j'ai bien compris, ça. Bonjour, monsieur Dard. Bonjour, maître. Je prends la relève sur l'affaire, du coup. Comment ça? D'accord. Et donc je me présente, je suis le capitaine. Oui, capitaine. Si c'est pour faire pareil que le procureur, monsieur. Malgré tout le respect que j'ai pour vous, je vous avoue que le procureur il me les a déjà mis là. Allons nous entretenir à un endroit un peu plus privé. Ah, je veux bien. Et on prend les... Quelqu'un à l'écoute et quelqu'un de responsable. Voilà ce qu'on va faire. Monsieur. On va déjà porter plainte contre le procureur. Il ne sait de toute évidence pas faire son travail et ça commence à me casser. Et abus de pouvoir. Alors, abus de pouvoir et il ne respecte en aucun cas des auxiliaires de justice, à savoir Sterling et Cooper, maître au gros barreau. Ensuite, le président n'étant pas disponible, notre client doit immédiatement sortir, tout simplement. Je vous écoute et j'aimerais des raisons. Je peux pas bien faire sûr, très bien, les raisons, très bien. Tout simplement pour violation du domaine alors, privé. Laissez-moi, Cooper. Allez-y, Sterling, parce que je vous avoue que je suis un petit peu énervé, je vais souffler dans le couloir d'ailleurs. Il s'agissait d'un officier de police. Et malheureusement, mon client ne pouvait pas savoir cela. Le procureur porte plainte et en tout cas mène une arrestation contre notre client dans la mesure où il le croit mêlé parce que peut-être que, sans aucune preuve, il serait lié à une histoire de... Il a dit quoi, le procureur, tout à l'heure? C'est de la merde, ce qu'il a dit, on s'en fout. C'est de la merde, façon, voilà. Il était sur son bateau, un agent de la sécurité est monté sur le bateau sans mandat. Ensuite, notre client s'est senti en danger. Il a tiré une balle. Sans sommation, non plus, sans sommation. Évidemment, sans sommation de la part de la police. Notre client s'est senti en danger. Il a tiré une balle. Quand il s'est rendu compte seulement au dernier moment que c'était un policier, il a baissé son arme, mais la balle est partie tout de même. Trop tard. Dans la jambe. Et il s'est fait tirer dessus. Et il s'est fait tirer dessus, exactement, en récidive de la part de l'agent de police. Vous n'avez pas le droit de garder l'agent toute la nuit ici. Il existe un droit qui est la liberté conditionnelle. Je vous demanderai de bien faire sortir le client jusqu'à son jugement. C'est tout ce qu'il mérite. Il n'a rien fait pour être attendez, ici. Attendez. Je vais vous couper court, excusez-moi, mais est-ce que vous avez une preuve que c'était bel et bien son bateau? Est-ce que vous avez le mandat? Est-ce que vous avez le mandat? Commençons par le début, c'était s'il vous plaît. C'était pas pour perquisition, c'était pour une affaire. Un individu qui on prend fait la pas d'affaires sur des bateaux au hasard, madame. Il faut des mandats ici. On est en Amérique, c'est des mandats. Terminer. Ça lui a coûté monsieur, exactement 100 000 dollars le bateau, monsieur. Du coup, je vais vous faire un petit récap de ce qui s'est passé. Il y a eu une course poursuite suite à une prise d'otage. Avec un hélicoptère équipé de caméras. Avec des lunettes foison qui suivaient les véhicules, ainsi que les individus qui sont descendus et sont montés sur le bateau. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais la preuve que c'était son bateau. Eh bah écoutez, lâchez avec son argent. Avez-vous demandé? Ça ne me suffit pas. Monsieur, quand bien même ce bateau ne lui appartiendrait pas, d'accord, la preuve vous l'aurez en temps voulu, quand bien même son bateau ne lui appartiendrait pas, vous n'avez pas à aller dans le domaine privé sans mandat, sans non plus préciser... Que à ce moment-là, vous ne savez pas que c'est son bateau.
ou pas. Du coup, on monte sur un bateau comme ça, on tire sur les agents de l'État comme ça, c'est comme ça. Non, c'est la légitime défense, madame, c'est un droit constitutionnel en Amérique. Mais bon sang de pipe, moi je suis en train de pêcher. Calmez-vous, Sterling. Mais bon sang de pipe, je le dis, désolé. Mais calmez-vous tout de même. Le monsieur a crié haut et fort, j'ai trois agents assermentés qui pourront le confirmer. Ne bougez pas, j'ai un otage. Et alors, avait-il un otage? Pour de la légitime défense. Avec des si on fait beaucoup de choses. Un agent. Attends, c'est notre, on parle de notre client, monsieur. Ouais, votre client. Vous êtes en train de bafouer deux droits constitutionnels très importants pour les civils américains. Je vous demanderai soit de faire un effort, soit nous cessons tout de suite de discuter avec vous. Et ça sert à rien qu'on soit avocat, autant qu'on soit boulanger, non? Voilà, donc là... Juste à passer un coup de fil à monsieur Tanaka, qui est le patron de l'agence immobilière qui fait la location des bateaux. Mais peu importe, qui lui appartient ou pas, vous n'avez pas droit. Est-ce que vous, à ce moment-là, au moment de votre intervention, vous saviez que c'était son bateau ou pas? Dans tous les cas, il y a un vice, monsieur. Le vice, c'est de rentrer sur une propriété qui n'est pas vôtre sans vous annoncer. Et croyez-moi qu'un bateau nous fait vice... Sommes Écoutez-moi, monsieur, je reprends les articles de loi américaine. Un bateau fait fi de demeure aux États-Unis d'Amérique, monsieur. Donc, qu'il soit sur un bateau ou chez lui, si vous n'avez pas de mandat, vous ne pouvez pas intervenir, monsieur. Donc, du coup, si moi, par la suite, j'apprends que ce n'est pas son bateau... Eh ben, vous l'inculpez pour vol de bateau, s'il le faut. Vous l'inculperez pour vol de bateau. Voilà. Et vous oubliez aussi une chose importante, c'est la présomption d'innocence. Ça sera une autre affaire et nous serons là face à vous inquiétez pas. Donc en attendant, il est hors de question que cette personne reste en cellule toute la nuit. On est où là? Et d'ailleurs, c'est vous, je rappelle, c'est-à-dire le département de police, et pas vous en personne évidemment, qui devrait nous payer pour cette prestation. Nous perdons bien trop de temps pour une si banale affaire. Si vous êtes commis d'office, c'est le gouvernement qui est sur. On n'est pas commis d'office. Personne n'est commis d'office ici. Des avocats tels que nous, on n'est pas commis d'office. On n'est pas des commis. C'est à votre client de vous régler du coup. Oui, mais vous allez devoir régler à notre client parce que vous le gardez. Vous allez devoir régler à votre client. Je veux l'article du code pénal du coup. Qui stipule l'article que du je code n'ai pénal. Pas. Sortez le mandat et on jouera votre jeu, monsieur. Sortez le mandat, on jouera votre jeu. Sortez-moi les preuves que c'est son bateau. Mais il n'y a pas besoin de savoir si c'est son bateau ou pas, mais monsieur, mais vous comprenez quoi? Allez, monsieur, il s'agirait de faire un effort, c'est tout de suite. C'est maintenant, c'est bon. On pire plus ça pour voir Attends. Du coup, imaginons qu'il y a un cambriolage. La loi n'est pas une interprétation. Laissez-moi terminer, messieurs. Je recontextualise la chose sur autre chose qu'un bateau. Parce qu'un bateau, c'est un peu plus compliqué, sur la mer, ok? Imaginons qu'il y a un cambriolage. Une de mes patrouilles remarque une infraction dans un bâtiment, ils vont rentrer. Mandat ou non, il n'y aura aucune infraction. Il faut un mandat. On n'a pas le droit de rentrer. Vous n'êtes pas chez vous, monsieur. Il faut comprendre qu'aux États-Unis, il faut des mandats, d'accord? Là, c'est important. Donc, quand un agent de police ne rentre pas dans un bâtiment où il y a potentiellement un cambriolage et il y a potentiellement des personnes en danger, c'est la non-assistance à personne en danger. Il n'y a pas de cambriolage de bateau. Il n'y a pas de cambriolage, monsieur. Vous écoutez, monsieur, il est sur son bateau. Vous intervenez sur le bateau. Il n'avait commis aucun crime avant d'être sur le bateau, monsieur. Quand j'ai deux unités terrestres plus une unité aérienne qui me confirment que ce monsieur a sauté d'un véhicule qui avait pris la fuite suite à une prise d'otage et à une agression sur agent de l'État. Comment vous avez pu reconnaître le monsieur? Était-il masqué, le monsieur en question? Il peut être masqué, mais les hélicoptères, comme je l'ai dit, sont équipés de caméras x100 qui ont suivi l'individu. D'accord, j'entends bien. Mais donc les caméras x100 voient à travers un masque, monsieur, peut-être? Négatif. C'était combien sur le bateau, monsieur? Je vais juste vous appeler mes agents qui vont pouvoir vous confirmer. Voilà, dites-nous, parce que s'ils sont plusieurs, vous savez qu'ils se sont pas mélangés entre les deux et qu'il s'agit pas de notre client qui était lui caché dans la soute du bateau. Bah oui, je suis obligé de jouer avec les mots, c'est sûr. Il y a trop de blanc dans votre dossier, monsieur. Les droits ont été récités, par mes agents avec les faits reprochés. À quel moment, monsieur? À son arrivée au poste. Excusez-moi. Ah. Après avoir été récupéré de l'hôpital. Merci, Harry Potter, pour le. Du coup, il y aura un jugement. Oui, il y aura un jugement. Attendons le jugement, s'il vous plaît. En attendant, libérez. En attendant, vous libérez notre client. Il va pas rester là en prison pendant toute la soirée, vous mettez une caution s'il le faut, mais vous libérez notre but. De toute façon, la caution, c'est le juge qui l'a mis. Le juge n'est pas là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le juge n'est pas là, vous libérez notre client. Et voilà. Là, votre client va être libéré sous bracelet jusqu'à preuve du vice de procédure. Si vous voulez. C'est tout ce qu'on demande. Par la suite. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il soit libéré, monsieur. Et on demande un procureur qui fasse son boulot en ville, s'il vous plaît, aussi. Oui, lui, par contre, on l'a dans les dents. Il y a le moindre problème avec votre client, c'est-à-dire, il quitte le territoire américain, il compte son bracelet. Il tente de fuir, prévenir des complices, je porterai plainte contre votre cabinet. Ainsi vous pourrez, puisque nous n'aurons rien à voir avec cette histoire. Faites-vous plaisir, monsieur. Oui, bien sûr. Jusqu'à preuve du contraire, je ne peux pas savoir si vous travaillez avec cette personne, comme vous le dites. Mais écoutez, nous sommes maîtres avocats au gros barreau. Nous sommes avocats, nous sommes assermentés, monsieur. Allez, allons le libérer.
Vous allez être libéré, monsieur. Toutes vos affaires personnelles vont être reconstituées. Vous aurez un jugement, évidemment. Si vous voulez, on pourra suivre cette affaire avec vous pendant votre jugement. Et, je ne crois pas, c'est la vérité là. C'est la vérité, monsieur. Ici, c'est que des vérités, nous connaissons la loi. Bon, je vous cache pas, Vous êtes carrément géniaux, ouais. Oui, mais ça reste une ville un peu compliquée. Tout n'est pas ça. On s'est battu pour vous, monsieur. On s'est battu pour vous. C'est tout ce qui a retenu ici. Ah, ben écoutez, c'est très apprécié, monsieur. Vous avez mon entière gratitude. Attendez, entre nous, le bateau. Il a été récupéré comment? Eh ben c'est le mien, c'est mon bateau. Non, sérieusement, de vous à moi, c'est vraiment mon bateau. Oh là là, non, vraiment, sérieusement, parce que là, ça change, c'est tout le dossier, ça. C'est mon bateau, bordel, là. Vous avez la preuve? Écoutez-moi bien, attendez. Ah oui, j'ai la preuve, oui. Attendez, monsieur Martinez, là. Ricky Spanish. Voilà, tout à fait. Une chose très importante. Vous avez toujours été à bord de ce bateau? Ou est-ce que tout le temps. J'étais tout le temps à bord. Non, vraiment, entre vous et moi. Entre vous et vous et moi et tout le monde. Donc tout ce qu'il raconte, voilà, c'est la preuve. On a la preuve que tout ce qu'il raconte, c'est du bide. Et ils ont limé droit. Mais il est parti où, l'autre, au poste. Putain. Au moment où eux, ils sont rentrés sur le bateau, il y avait vos collègues sur le bateau? Non, il y avait d'abord un policier qui est venu en premier, là, et moi, je l'avais. Au dernier moment. Vos collègues, ils sont arrivés à quel moment? Ben, après le policier. D'accord, après, ouais, non, mais c'est bon, on a l'affaire. Alors, en fait, pour être très, très clair, là, mais moi, j'étais au gouvernail. Mais il est où l'agent, là, qui est censé le libérer? Oui, je sais pas. Attendez, on va chercher l'agent. Non, mais vous inquiétez pas, l'affaire, elle est pour nous. Dites-moi, est-ce que le procureur a des contacts dans cette ville en vrai ou pas? Ou c'est juste. Est-ce que. Il est là-bas, il attend les bracelets. Des contacts, c'est-à-dire? Venez avec moi, Cooper, il faut qu'il bouge. Le procureur, on va se débarrasser de lui. Oui, de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le procureur, on s'en occupe. Oui, le procureur va s'en occuper. D'ailleurs, à titre informatif, vous connaissez des gens qui peuvent s'occuper de gens, qui s'occupent de gens, qui connaissent des gens? Moi? Oui, c'est pour savoir, c'est à titre informatif. On peut faire ça, oui. Bon, non, monsieur, combien... on va rien faire, mais c'est pour savoir. Une petite question, combien comptez-vous nous payer pour ce petit truc-là? Ben écoutez, déjà, je récupère mon argent qu'il y avait sur moi. Après, moi, je peux vous payer avec ça. Hein. C'est pas mal. Hein. 10 000 dollars chacun, c'est. Ben, 10 000 j'avais 20 000. 10 000 chacun, ça me semble raisonnable. C'est très raisonnable. Ça me semble très raisonnable, monsieur. Très raisonnable. On pourra s'acheter 2-3 coca. Oui. C'est le moins que je puisse faire pour vous. Hein. Oui, ça me plaît. Est-ce que t'as un truc à manger, Cooper? Parce que j'ai très, très faim. Demandez à l'agent. Il nous doit venir ça. Il nous doit bien. Parce que si je te donne, Sterling, c'est moi qui aurai faim dans pas longtemps. C'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. Excusez-moi, messieurs. Le coursier arrive dans 2 minutes. Oui, mais là, ça fait 1h30 qu'il est là. Ça fait une heure et demie, au bout d'un moment, là ça suffit. Hein. Écoute-moi bien, toi, tu vas bien rester 30 minutes ici. Ce sont des menaces, ça, madame. J'ai cru entendre des menaces envers un... Oui, elle m'a insulté, elle m'a dit que j'étais un con. Mettez vos tenues. Monsieur, vous avez des oreilles XXL? Non, je suis juste à côté d'abord. Non, juste des oreilles. Il a juste deux oreilles. On a juste des oreilles. Pourquoi? Un petit problème contre les oreilles XXL, madame? Non, pas du tout. Non, c'est bien ce que je pense. En même temps, dans des barreaux, il y a des trous. Et dans les trous, il y a le son qui passe, madame. Ah oui, ma bouche, elle passe. Ah bah ça, votre bouche, elle passe dans tous les trous que vous voulez, mais ça ne regarde pas, madame. Ça, c'est entre vous et vous, madame, hein, votre bouche. Ça, c'est votre conscience, madame. Oui, hein. Oui. Ah ouais, c'est sa bouche qui a excité, là. J'ai enlevé les bracelets. Je ne sais quel motif qu'elle ne m'a pas donné. Elle m'a dit. Elle vous a pas lu vos droits, monsieur. Si, elle m'a lu mes droits, mais elle m'a pas dit pourquoi. Elle vous a pas donné la raison d'arrestation. Non, elle m'a dit pour délit de fuite, mais elle m'a pas dit qu'est-ce que j'ai fait de mal pour. Vous êtes en train de le chier ce bracelet ou quoi là? Il a raison, il a pas de tort. Il a pas de tort. Écoutez, madame à la bouche béante, est-ce que vous êtes là? Attendez, monsieur, je suis là. Réfléchissez pas trop, madame. Réfléchissez pas parce qu'il faut le bracelet là, ça commence à faire beaucoup là. Il y a juste à mettre un bracelet au pied de notre client et de ses affaires. Non, mais moi, c'est 17 qui doit le faire. Oui, mais c'est une longue histoire et c'est on connaît pas 17, on connaît pas 17. Il faut faire ça, madame. Le monsieur qui a parlé tout à l'heure. Vous inquiétez pas, ça arrive, monsieur. Ce commissariat est totalement d'un amateurisme totalement sidérant, mon cher Cooper. Et toi, t'es qui, Narvalo, à droite, là? Kaiden. Kaiden, je connais pas. Ok. Écoutez, vous allez sortir dans quelques minutes, vous ferez connaissance plus tard. Oui, ne fricotez pas trop avec des gens que vous connaissez. Ah ben, moi, je suis sociable, hein, monsieur. Hein. Oui, c'est très bien. Soyez tout de même content qu'on soit là, parce que, putain... Oui, croyez-moi. Croyez-moi, vous auriez passé 24 heures ici. Radio ou pas? Ah, les avocats, s'il vous plaît. Ah, mais là, c'est pas 24 heures. Je suis à 46 heures. J'y vais de ce pas. Vous auriez pu rester peut-être à vie ici, hein. Ah, on est d'accord. Hein. Monsieur, c'est pas votre client, donc vous pouvez aller. Bah, j'ai le droit de discuter. Monsieur veut des informations sur la loi et je lui donne des informations sur la loi. Plus tard, du coup. Non, c'est juste parce que vous m'avez pas dit pourquoi, avant le délit de suite, pourquoi vous voulez m'arrêter. Refus d'obtempérer, c'est juste pour ça, monsieur. Mais quel refus d'obtempérer? Vous m'avez pris en sage, de toute façon.
même pas dit pourquoi. Pourquoi vous l'avez signalé au tout début? Bah parce qu'il a cramé plusieurs couches, plusieurs stops, la totale. Quoi? Voilà, mais c'est pas mon affaire. Ah, c'est ça de l'affaire. On a résolu. Venez. Oh. Je vais vous installer le bracelet. Bah. On suit notre client. Techniquement, le bracelet, on pourrait presque négocier le non bracelet, mais bon. Oui, oui, mais c'est bon. T'as pas besoin de lever les mains. Et plusieurs stops et la totale. Si, si. Hop. Non, il faudra venir pointer toutes les 24 heures. Si vous n'êtes pas là, vous envoyez un petit message police. Toutes les 24 heures à partir de maintenant. Sinon, je peux vous mettre un l'heure que vous voulez. Si vous ça veut dire, si vous voulez venir pardon, pointer demain à 21h, vous pouvez venir pointer à 21h, 22h, l'heure qui vous arrange. Bah, c'est pas toutes les 24 heures alors. Bah écoutez, si, mais il faut pas que ça dépasse les 24 heures. Est-ce que vous pouvez lui rendre les affaires personnelles, monsieur? Les affaires personnelles, monsieur. J'avais 30 000 balles, j'ai tout compté. Vos 30 000 dollars, je vais essayer de vous les ramener. J'avais un point américain. Pas essayer, vous allez les ramener. Alors, le point américain. Vu c'est légal, les qui vous sont reprochés. Oui, c'est tout à fait légal. Bah les qui sont reprochés, il va être confisqué et il sera libéré à la suite. Il sera, pardon, rendu ou non à la suite. Mais attendez, là. Quand est-ce que se situe son jugement, monsieur? Avez-vous une date déjà à donner à notre client? Est-ce que le juge a commis un acte de jugement? Est-ce qu'il y a un acte de jugement? Alors, le dossier a été envoyé et on aura une réponse sous 24 heures pour la date. D'accord, bah, en attendant 24 heures, vous allez rendre toutes les affaires à mon client, monsieur. Attendez, j'ai juste une question. Je peux m'entretenir avec mes avocats une petite seconde? Il a déjà un collier. Je vais récupérer votre argent. Là, on est d'accord. Je me suis servi de mon arme, mais le coup de d'arrêt, le point américain, c'était juste sur moi. Je m'en suis pas servi. Oui, non, c'est à vous. On va vous récupérer. On est d'accord. On va vous récupérer. Il va vite. En Amérique ou pas? On est en Amérique. Il part vite. Il nous attend où il nous a dit. Tenez. Eh le mec, t'es où? Donc on a bien fait le tour. Il faut tout lui rendre. En attendant. Oui, il a déjà un bracelet. Il est déjà sous sécurité. Comme ça, comme s'il était chez sa mère. Elle est le couteau à cran d'arrêt là. J'avais aussi un couteau à cran d'arrêt. Le pétoir. Allez, le pétoir, j'ai le permis. Vous me rendez tout ça. Et mon couteau à cran d'arrêt, enculé, va. Non, non, calme. Il est parti le chercher. Il est parti le chercher, monsieur. Il est parti. Monsieur, c'est peut-être pas le moment. Ça fait là qu'on est là pour vous. Eh ben écoutez, j'ai la mayonnaise qui commence à venir. Oui, ben nous aussi, on a la mayonnaise qui commence à tourner au vinaigre. Voilà, nous, c'est un croque-monsieur hein, qu'on a en tête là. Je mangerais bien d'ailleurs un petit croque-monsieur Sterling. Oui, ben moi, je mangerais bien tout. Ah, la chance, hein, vous pouvez manger. Moi. Non, mais vous allez pouvoir manger. C'est ça va, vous êtes pas non plus. Hein, on est en train de vous sortir là, monsieur. Va falloir se calmer. Hein. C'est facile à dire pour vous. Ben non, justement, c'est pas facile Sterling. À dire. Ah, merci beaucoup. Vous êtes très aimable, monsieur. L'argent a été rendu ou pas? Ouais, tout a été rendu. Hop, vos vêtements, je vais récupérer la tenue. Ah, merci, je vous donne ça. Oui, je vous raccompagne. Allez. Ah c'est bon. On vous accompagne aussi monsieur Ricky parce qu'il faut payer quand même. Ah ben comptez sur moi hein. Bah on compte sur vous. On compte sur vous sinon on n'a pas d'argent. Ah non non vraiment comptez sur moi. Ah oh, le bon air frais là. Putain. Ça fait du bien hein, ça fait du bien. Oui oui ben je comprends. Ah laissez-moi humer ce doux nectar de. Et voilà messieurs. Eh bien merci beaucoup. Ben merci de votre écoute et on se reverra très bientôt pour le procureur. Et à la revoyure. Avec plaisir. Monsieur Ricky venez. Ah putain venez on va vous faire une petite. Est-ce que vous voulez qu'on vous dépose? Ma voiture a disparu. Voilà elle était fermée elle a disparu. Non d'une pipe. Monsieur Ricky, quand une voiture disparaît, où on va? À la ferraille, normalement, la fourrière. Mais attendez, je vais... Attendez. J'ai ma radio, je vais appeler un collègue, il va venir nous chercher, c'est bon. En même temps que vous êtes patron des textiles, quelque part. Exactement. Et du coup, là, par rapport à l'entreprise, là, je garde toujours l'entreprise, là. Bien sûr que vous gardez l'entreprise. Ben oui, monsieur, bien sûr, c'est votre... vous a pas... C'est votre métier, monsieur. Allô, radio, là, il y a quelqu'un, les gars? Moi, je suis sorti de la prison, là, quelqu'un peut venir me chercher? Je suis sorti, là, en toute légalité, là. Vous venez ou quoi? Un grand véhicule, un grand véhicule pour trois. Un grand véhicule avec plusieurs places. Écoutez, vos gueules, deux secondes, là. Écoutez, vous venez avec deux places supplémentaires. Il y a les deux avocats qui m'ont sorti de là. Là, je vais les remercier personnellement. Donc vous faites ça bien, je vous préviens. La bataille ne fait que commencer. Je crois, mon cher Sterling, qu'on s'est mis le procureur à dos d'ailleurs pour cette histoire. Oui, mais j'en perds mon sang-froid, mais j'ai envie de te dire. Voilà. Voilà, tu l'as vu. Des fois, je me dis, mon cher Cooper. Non, monsieur, là, excusez-moi de vous couper. Oui, là, dites-moi, monsieur. Est-ce que ça vous dérange pas de marcher un petit peu dans votre parking central? Allons-y. Oh. Au point où vous venez, on peut marcher. Oui. Ah, ben ça va faire du bien pour dégourdir les jambes. Rassurez-moi, mon véhicule, je vais pas le payer pour le sortir tout de même. 1 000 $, mais ça sera mes frais, vous inquiétez. Il est égaré, hein. Quand même. Hein. Mais oui, pourquoi il est à la ferraillerie, ce véhicule, monsieur? Ah, ben j'en sais rien, moi j'étais en prison, hein. C'est pas moi qu'il faut demander ça. Non, oui, d'accord. La voiture était là, les gars. Mais j'ai bien l'impression que dans cette ville, c'est plus facile d'être criminel. Oui. Oui. Venez là, monsieur, le parking est à droite. J'ai même une triste pensée, pour être tout à fait franc avec vous, mon cher Cooper. Oui, moi aussi. Dans cette affaire, j'étais à deux doigts de virer, si je puis me permettre, mon cher Cooper. Oui, des fois, je comprends votre petite nièce, mon cher Cooper.
Dites voir, mon cher, est-ce que ma nièce va bien? Elle vous passe le bonjour et d'ailleurs elle a vos remerciements pour m'avoir fait sortir de là. Ah bon, elle est disponible ou pas? Là de suite non, peut-être demain. D'accord. Très sûrement demain. Bah vous lui ferez un bisou. Du coup on avait convenu quoi, de 10 000 chacun, c'est bien ça? Ce que vous entendez monsieur, de toute façon pour où on en est, c'est notre première facture. On est déjà heureux de... Oui, d'avoir enfin une rentrée, oui. Je vais vous donner 10 000 chacun, mais sans la facture, hein, directement. Oui, 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 on n'a pas de quoi rédiger des factures. C'est de l'argent qui a été vu sous vos yeux par l'agent de police, donc il n'y a aucun problème. Bien sûr, oui, vous inquiétez pas. Donnez ce que vous voulez, monsieur. De l'argent, c'est de l'argent. Il n'y a que les mains qui le rendent sale, si vous voyez ce que je veux dire, monsieur. Oh, c'est bien dit, ça. Merci. Oh, ça, c'est bien dit. Merci, Sterling, merci. Voilà pour vous, 10 000. Merci beaucoup. Je mets ça tout de suite dans ma sacoche. Et voilà pour vous. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Bah, attendez, on en profite. Vous avez notre numéro de téléphone, monsieur Spani? Non, la dernière fois, je ne l'ai pas noté. Là. Je vous avais donné le numéro de l'agent immobilier, là, monsieur Tanaka. Ah oui, je me rappelle. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous emmener? Je ne veux abuser de votre gentillesse. Est-ce qu'il serait possible d'aller voir un ferrailleur, monsieur? Mais écoutez-moi, monsieur, on va aller carrément au parking central. Venez, je vais vous amener. Garde 2 000 $ sur toi, Sterling, hein, pour payer. Oui, c'est fait. Très belle boîte. Montez, je vous en prie. Oui, d'accord. Mais attends, je tu peux le pousser ou... Oui, mais j'ai envie de monter derrière. D'accord. Attendez, bougez pas, je teste le cuir. C'est bon, vous pouvez y aller, monsieur. Très belle auto, très belle auto. Très belle véhicule, oui, ça c'est un très bon véhicule. On est d'accord, hein? Ah oui. Bon, bah j'espère que vous êtes satisfait du cabinet Sterling Cooper. Ah, écoutez, monsieur, j'ai jamais vu des deux avocats aussi compétents que vous. Ça nous touche droit au cœur, parce que croyez-moi que cette ville a besoin de gens comme vous, j'ai bien l'impression. Bon. Alors attendez, là c'est la ferraille. Alors, est-ce que vous croyez qu'il y a mon véhicule? Moi je pense que oui. Ou alors on te l'a peut-être volé. Vous avez gardé 1 000 $ là sur vous là? Ah non. Ah bah attendez, je vous l'aide. C'est bon, le véhicule est bien là. Bah je vais te donner 1 000 $ pour... Oh bah dis donc. Oh, je suis là messieurs, je suis là, c'est très rapide. Excusez-moi. C'est pas ma moto. Bah merci beaucoup monsieur en tout cas, monsieur... Oui monsieur Spanish, n'hésitez pas à nous appeler si jamais nous sommes en ville, hein, bien évidemment, sinon laissez un message. Si vous n'arrivez pas à nous contacter, nous vous rappellerons. Du coup j'ai le numéro de monsieur Sterling. Oui, vous pouvez prendre le numéro de mon collègue, vous avez mon numéro. Ouais, tout est noté, ok c'est bien noté, merci beaucoup. Faites-nous un petit peu de pub et passez une bonne journée. Profitez de votre liberté. Oui, parlez de nous à droite à gauche, n'hésitez pas à fournir notre numéro de téléphone. Mais avec plaisir, c'est prévu. Ne vous inquiétez pas, on est toujours là pour vous, pour la suite des événements. Et c'est vrai qu'il y a un petit tweet pour faire une petite pub. Bon, je ne veux pas abuser de votre gentillesse, mais ça serait volontaire. Alors attendez, vous allez voir ça. Ah ben vous le faites quand vous voulez, hein, mais... Non, maintenant, je vais vous voir, vous allez voir ça de suite. Et ben vous allez nous voir. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Un plaisir d'avoir fait affaire avec vous. Ah, ça, c'est très gentil. Passez une bonne soirée. Je suis pas Louis Zelnius, mais c'est pas mal. Oui. Au moins, pour une fois que Twitter n'est pas utilisé pour faire des insultes. Hein, quoi. Tant que c'est fait avec le cœur, on prend, monsieur. Passez une bonne journée. Ouais. Passez une bonne soirée à vous aussi. Au revoir. Hein. Prenez soin de vous. Allez, au revoir, monsieur Spani. Notre premier avocat, notre premier client d'avocat. Bon, t'as compris. Oui, ça s'est bien passé. Enfin. Je suis libre. Oui, on va devoir le ressortir bientôt, je pense. Il aura 10 000 dollars à ressortir. Bon, est-ce que tu crois qu'il y a une soirée où on peut faire notre promo, là, tiens? J'aurais besoin de me détendre pour... Oui, bah tiens, allons à l'Unicorn voir s'il y a une soirée. Allez, allons à l'Unicorn. Oh, bah tiens, allons Concesse Moto. Allons Concesse Moto. Aux soirées Concesse Moto. Ah bah oui, c'est où ça? C'est parti, je t'ai mis le plan. Allons-y. On y va. J'espère qu'il n'y aura pas le procureur, parce que je le fous mon poing dans la... Bon, pardon. Bah, voyons, Sterling, s'il vous plaît. Oui, mais c'est... Qu'est-ce que je fais, dites donc? Je connais pas encore bien la ville, attends. Oui, arrête-toi un snack. Ah bah y'a un snack il peut-être là. Il est pas là tout de suite, hein. Oui mais peut-être à la soirée, il y a de quoi boire une autre. T'es pressé d'arriver à la soirée. Oui, j'ai envie de pisser, Sterling. Mais je peux comprendre, on est resté debout toute l'après-midi. Oui, mais c'est épuisant. Ça épuise. Surtout quand on a affaire à des gens qui n'entendent pas. Ils écoutent mais ils n'entendent pas. Ben oui, mais ils voient et des fois ils regardent pas. C'est le problème de... Je ne sais pas pourquoi j'ai une voix roqueuse là, tu vois, je suis très fatigué. Oui, mais parce que c'est l'excitation. Oui, c'est l'excitation, oui. Oui, je peux comprendre. Ah bah dis donc, aïe. Attention, oh. Bonsoir monsieur, comment allez-vous? Bonsoir, comment allez-vous monsieur? Ça va super et vous? Très bien, ça va très bien. Formidablement bien, monsieur. Vous déconnez, c'est les deux procédés de saga. Il déconne, pareil. Nous sommes Maître Sterling et Maître Cooper, avocat au gros barreau, monsieur. Oh, excusez-moi. Nous aussi, on a des gros barreaux. Vous voulez détendre? Oui, on a entendu parler d'une soirée. Peut-être, Sterling, que c'est peut-être pas la. Si, c'est. Il y a bien une soirée ici. Ah, mais bonjour, ça va, les gars, ça déconne. Comment allez-vous? Ça roule. Est-ce que ça déconne? Les gars, je vous ai pas dit, je les connais. Tu déconnes. Eh ben, si, on se connaît. Mais ouais. On a maximum ici. On a déconné. Bah, je vous présente mes gars, du coup. La barrique, vas-y, présente.
Oh, moi c'est la barrique, hein. C'est la déconnade, gars cool, on déconne, on picole. Vas-y, Red, présente-toi. Ouais, Red, moi. Voilà. Papy, ouais, papy, enchanté, je note, Bah, moi c'est Papy, voilà. Enchanté. Enchanté, Papy, enchanté. Ouais. Enchanté. Salut. Ouais, moi c'est Joseph, je suis le tombeur de ces dames. Ah ouais, et elle, c'est Crystal, célibataire. Voilà. En recherche. Ah, vous cherchez le grand amour, c'est ça? Ouais. Tout ce qui passe. Vous ne le trouvez pas ici avec tous ces beaux mecs. C'est beaux messieurs. Ah, mais je les ai déjà essayés. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez essayé la loi, madame? Jamais de la vie, monsieur. Vous prenez pas la fuite. Non, mais on prend. Eh ben, écoutez, la loi, on connaît la loi. Bon, allez, les gars, faut les décoincer. C'est des gars, ils parlent de documents tout le temps. La allez, loi, un très gros baron. Venez boire des chiens, monsieur. Les gars, les documents, je me torche avec. Oui, mais non, messieurs, lâchez les mallettes quand même, là, vos petits cartables. On dirait que vous allez à l'école. Lâchez les mallettes et prenez vos mallettes. Dites-nous, on les met. Les mallettes et vous. Oui, à l'intérieur, là-bas. Dans votre cul. C'est très drôle, ça, Sterling. J'ai bien aimé la blague de ce monsieur qui est en fin de vie. Bah, par où on rentre ici? C'est chez vous, hein. Je connais, a priori. C'est ici. Pour vous. Les gars, ça vous dit une danse. Une danse, allez. Je ne sais pas comment c'est ça. Je ne sais pas. Je dois l'avouer que je connais 2-3 moves. Je connais la loi, mais la danse, je ne connais pas. Alors, attendez, je vais vous montrer. Assieds-toi. Attendez, je pose mon porte. Asseyez-vous ici, là. J'ai posé ça. Et moi, je connais 2-3 pas de danse, si vous voulez. Allez, montre-moi. Mais avant, est-ce que vous auriez quelque chose à substanter? Voilà, une petite boisson pour. Oui, substantez-le, messieurs, s'il vous plaît. Substantez-le. Attendez, on va faire entrer les autres invités. Je vous dis pas non. Vous êtes très ravissant. Bon, c'est une très belle soirée, dites voir pour cette petite. Bon, Crystal. Je vais aller me changer avant. Ouais, va te changer, vas-y. Allez, vous changez, Crystal. Je viens de boire. Mon avocat, c'est mon ami. Oui, je suis l'ami de la loi, messieurs. Je suis l'ami de votre ami. Venez, les gars, venez. Vous voulez une petite blague? Oui, dites-moi. J'adore les blagues, monsieur. Je suis très friand de blagues ici. C'est quoi la différence entre le Ricard et le 69? Ah, ouais, quand elle dit changer, c'est genre. Bon, dites-moi. C'est qui passe à. Ah ouais, c'est changé. Eh ben, le. Le 69, on a le nez dans l'anus. Allez, vas-y. Qui c'est Kabul? Le Ricard, on a le nez dans l'anus. Déjà Bull. Très bonne blague, monsieur. Très bonne blague. Une petite danse. Ils comprennent pas, c'est le langage importeur. Mon Sterling, attention, nous sommes pas trop aimés chez ce soir. Oui, on peut danser si vous voulez, madame. Une petite bière, s'il vous plaît. Vous savez danser? Ah, ben si je sais danser, madame. Regardez-moi ce petit mouvement là. Ce petit mouvement, ce petit déhanché. Je vais me permettre de m'asseoir, Sterling, parce que c'est vraiment un beau déhanché. Ah, regardez ça. Et ça, c'est ce que je fais. Là, vous voyez, avec la main, ce que vous faites. Sterling, tu danses comme de la merde. Non, c'est pas vrai, Non, non, monsieur, on connaît la loi, ne dites pas ça, monsieur. Il danse très bien. Je connais tout, moi, je connais tous les mouvements. Sterling. Sterling, tu tombes mal un peu, là. Allez, mieux que ça, Sterling, je connais la loi, monsieur. Vous avez un corps qui est très vibrant, madame. Oui, j'aime vibrer, si vous saviez. Oui, je comprends. Ouais, en plus, Je crois que j'ai une touche. Oui, Sterling, tu as une touche, mais il faut pas, Sterling. Il faut pas. D'accord. La loi, c'est la loi. Oui, c'est la loi. Mais si elle veut connaître le barreau de la loi un petit peu. Elle est bonne, celle-là. La lèvre, la loi. Je crois qu'il nous a entendu, Sterling. Autant pour moi. Crystal, tu vas faire une danse à ces messieurs maintenant. Je vais faire une danse à mon collègue en attendant. Ouais, mais toi, tu veux pas baiser ma sœur et me donner un gosse. Non, d'accord. Vous avez déjà fait ça au bureau la dernière fois et vous savez ce que j'en pense. Oui, c'est vrai. Il vous manque 2-3 attributs. Oh là là, dites donc. Sterling, peux-tu reculer, s'il te plaît? Oui, non, pas que tu gâches ma vie, mais tu Ah, pardon, autant pour moi. Même. Il faut reculer. T'es de ton tour de filles. Oui, c'est ça. T'as vu le message Twitter, là? Mais c'est la question que je vous pose. Le message Twitter, pourquoi là, pas. Tu l'as vu? Oui, dis voir. Qu'est-ce que c'est? Bon tonton, ça commence à faire long, là. C'est pour toi ou il y a plusieurs tontons, peut-être? Eh, moi, j'ai besoin d'un avocat pour plus tard, là. Je peux avoir votre numéro? Vous pouvez noter. Monsieur, excusez-moi, comment on monte le son un petit peu, vous savez, via le téléphone, pour parler plus fort, pour entendre plus fort, tout ça. Pendant les appels? Oui, pendant les appels. Oui, mais pas vraiment sans pendant les appels. Non, mais il a compris. C'est pendant tu vas dans tes paramètres et tu baisses le volume ou tu l'augmentes. Non, c'est pas ça. Voilà. C'est... Non, il t'a pas compris. Là, je suis bien posé, mais t'as pas compris. Pardon. C'est quoi tes bières préférées? Attendez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui crie? Moins fort la musique. Moins fort? Sterling. Vie ma mère, vie Cooper. Mais oui, je comprends Sterling. Je m'éclate à fond ce soir, Cooper.
Sterling, ça fait du bien de décompresser un petit peu. Allez, Sterling, mets la main au panier. Ouais, vas-y, Sterling. Nous avons quelques affaires à régler. La loi n'attend pas, messieurs, dames. Oui, oui. En tout cas, merci beaucoup pour cette formidable soirée. Voyez-vous une ou deux bières ou des petits capricornes ou des trucs. Non, il y a des supérettes. Bon, il n'y a pas. Attends, il y a. Viens. Bah, dites donc. Qu'est-ce donc? Vous êtes une belle jaquette. Vous n'êtes pas censé voir ça. Vous voulez le récupérer, monsieur? Ah, oui, j'insiste, oui. C'est un collecteur des années 70. Tenez, monsieur. Merci, vous avez, tiens, je vous donne une petite canette. Ça vous va? Ça vous suffit ou vous en voulez encore? Vous m'avez subtenté, monsieur. Merci beaucoup. Apprenez à parler normaux, hein, les gars. Pardon? Ouais. Apprenez à parler normaux. Normaux, c'est-à-dire, dans quel sens, monsieur? Bah, parle normaux, c'est une langue. Ah, normalement. Elle... Je te parle dans un langage cultivé, tu me parles bizarrement, toi. Je cultive aussi, monsieur, je cultive beaucoup. Laisse monsieur couper. Merci pour cette invitation. T'es trop cultivateur avec moi. Bon, allez, Sterling. La prochaine fois, tu récupères le string à cristal, ça marche? Oui, bah, je ferai de mon mieux. Sterling, je pense que tu es sur un petit coup, Sterling. En tout cas, merci pour cette soirée, cet accueil chaleureux. Et c'est un plaisir de vous revoir, monsieur. Merci pour cette invitation, c'était très sympa. Merci à vous. Très sympa, nous reviendrons. Ah oui, c'était très. J'aime cet état d'esprit. C'était une sacrée soirée. Ah, c'était une belle soirée, oui. Mais l'unicorne, on va voir si on peut finir avec un petit gamin. Oui, un petit tour, mais c'est surtout pour Sterling, hein, vous avez bien dansé. Tu voulais que je garde des forces. Mais oui. Tu te rends compte, cette cristal, j'étais à deux doigts du pyramide. Oh là 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 là, oui, j'ai vu oui, ça. Elle était attirée par votre sex appeal. Bon, j'ai bien l'impression qu'il n'y a pas grand monde à mon petit Sterling. Hein. Mis à part des putes en vitrine, je vois pas. Est-ce que tu veux qu'on rentre, dis-moi? On s'arrête un peu plus dans le parking derrière, là. Pour voir des femmes en vitrine, ça m'intrigue. Non, non, Sterling, calmez-vous, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai, d'accord. Est-ce que vous voulez qu'on rentre, Sterling? Oui, je pense qu'il se fait l'heure. Allez, montrez-moi un petit peu le chemin. On est arrivé. Ben oui, venez, on va regarder cette boîte. Bah dis donc, en effet, oui, c'est une boîte de nuit. De Galaxy. Ben c'est fermé, Sterling. Allez, voilà, c'est une belle visite. C'est fermé en pleine nuit, c'est pas grave.